Ouais, c'est vrai que c'est la deuxième, mais c'est la plus belle, bien sûr. Pour le centenaire, qu'est-ce qu'on peut rêver de plus? Faire une pole. Bien sûr que c'est un épisode d'une course qui est formidable, qui est les 24 heures du monde, donc, mais ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. L'équipe, elle est surmotivée, c'est tout l'engagement qu'ils ont fait toute la semaine, même depuis le début de l'année. J'ai une équipe de fou, là. Bien sûr, Paul Loup couronne tout ça, mais c'est le travail de l'équipe qui est récompensé, et ça me fait encore plus plaisir. Les 24 heures du Mans, c'est pas un pilote, c'est une équipe. Les individualités, pas chez nous. Et ça porte. Et je pense que l'équipe est comme ça. Ils sont tous au service des autres. Et c'est la force de mon équipe. Je reviens sur les derniers moments de la pole. La pole au centenaire, c'est juste formidable. Ça nous donne une banane et puis un coup de projecteur sur l'écurie aussi. Ça met en valeur le travail de tout le monde. Donc c'est juste formidable. On n'a pas gagné le Mans, bien sûr que non. Mais on a gagné quelque chose, on repartira déjà avec de la satisfaction et demain c'est un autre jour. Mais là, franchement, c'est déjà une première victoire pour nous, c'est clair.